Salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire un petit tour bucolique et charmant en forêt. On va profiter de Ori and the Blind Forest, dont la suite a été annoncée en 2020, me semble-t-il. Ori and the Will of Wisps. Et donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort, ce qu'il en retire. Surtout qu'on va se baser sur la définitive édition qui était sortie un petit peu après la version de base. Est-ce qu'on est vraiment sur un apport indispensable ou pas? On verra bien. Donc c'est du Metroidvania, globalement, qui est sorti en... Je regarde ça. Évidemment, on ne peut pas mettre la date tout de suite. En 2015, si je ne me trompe pas. Remercie. 2011, ah non, pardon, 2015, en effet, et la définitive édition est sortie en 2016. 2011, n'importe quoi. C'est donc disponible sur Xbox, et sur 360 et sur Windows. Et du coup, allons-y. En espérant que le son du jeu soit pas trop fort pour vous. Sinon, bon courage. Allez, c'est parti. Ok, les nouvelles se regardent. Et on va jouer en difficile. Histoire de mourir plus de fois et de nous pourrir un peu l'expérience. Nous voilà donc petite feuille dans le vent, donc on a été arraché à notre arbre. Et là, on contrôle ce personnage qui n'est pas sans rappeler la créature du voyage de Chihiro, je trouve. Celle qui envahit les bains. Donc voilà, on va contrôler Ori, qui est ce petit personnage très mignon. Et pour l'instant, on peut pas faire grand chose, c'est le principe de la plupart des Metroidvania. Par contre, le graphisme est vraiment magnifique. On est vraiment sur quelque chose de très poétique qui n'est pas vraiment, qui est vraiment pas sans rappeler certains films d'animation de Ghibli, par exemple. Aussi un petit peu profiter de la musique.
créature était cascadeur entraîné ne reproduisait pas cela chez vous. Quand même, vu le comportement de la créature qui nous a recueillis au moment où notre père l'arbre nous appelle, on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu du syndrome de Stockholm dans l'histoire. Bien changé depuis notre naissance, depuis qu'on s'est fait arracher à l'arbre.
la DA est un très très gros point fort du jeu. Chaque paysage est vraiment un tableau impressionnant à regarder. C'est vraiment magnifique. On peut pas encore atteindre les plateformes au-dessus. Ça pique, ok. Encore aller par là. Au moins, il va falloir que je sois attentif quand même, sinon ça va se voir. Donc ici, on est sur une espèce de porte qui nous bloque pour l'instant. On va probablement trouver plus loin dans l'aventure de quoi la franchir. Okay. Une fois ces espèces de ronces. Là-haut, mais pour l'instant on peut rien en faire. Ok. Des points de vie. Plus d'éclairage. La direction va être. Tu as trouvé une cellule d'énergie, tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. B pour sauvegarder. Très bien. Est-ce qu'après je peux le réutiliser ou est-ce que... Attends. Ok, on revient du coup... Ça doit faire mal. Alors, on a trouvé de l'expérience en gros. Rempli des jauges pour récupérer un point de compétence. Jusqu'ici, c'est assez classique. On a une espèce de focus en blanc aussi qui se remplit. Mais je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est pour l'instant. Je suppose que le tuto répondra à cette question. Alors, un petit brasier de lumière spirituelle. Ta jauge s'est remplie de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de compétence plus rapidement. Petit bonus d'XP. Mes forces me reviennent. Je suis Sein, la lumière et les yeux de l'arbre aux esprits. Lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici, égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ton périple si tu le veux bien. Mais tu entends cela, ils ont dû te suivre jusqu'ici. C'est Navi. Ok, maintenant on est doté d'une attaque. Gagner un point de compétence. Crée un lien et appuie sur B près du lien de compétence. Alors, arbre de compétence assez touffu visiblement, avec trois branches. Salve de flammes, aimant spirituel. La plupart des objets récupérés flottent vers Ori. Braise permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps des recharges. C'est pas mal ça. Et ça va permettre de récupérer les objets plus loin. On va prendre ça pour commencer. Leurs lumières me reviendront. Cela, l'arbre de l'esprit l'avait annoncé. Dans la clairière au-delà des grottes, nous le trouverons. Il y a un chemin par ici. Ok. Très bien. Du coup, on est sur une carte assez classique. Visiblement, la map est assez grande. On peut casser le mobilier. C'est très bien. Visiblement, il y a une espèce de
de ronces aussi. Okay. Petite bestiole qui crache des piques. Pas un peu là. Jusqu'ici tout va bien. Voilà. De temple, de zone. Les pieux esprits sur d'anciennes structures utilisées jadis pour traverser rapidement tout Nibelle. La lumière des pieux esprits te revigore également lorsque la fatigue te gagne. Alors, X pour sauvegarder, Y pour activer les portes. On a récupéré notre lien d'âme. Déjà de notre deuxième point de compétence. Alors, par ici il y avait des ronces, on avait repéré tout à l'heure. On va prendre le chien là. Voilà, deuxième point de compétence, c'est très bien. On passe le créer le lien d'âme tout de suite parce que pour l'instant ça sert pas à grand chose. On va essayer de créer un endroit où ça pourrait nous être utile, si possible. On va se compliquer une plante et par là. Tu as trouvé une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir les portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis. Okay. Ça me permettra d'avancer un peu dans la progression. Voilà. Donc, point de vie. Ce portail aux esprits nous barre le chemin. Ces structures avaient été créées pour nous protéger avant le déclin. Les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin. Pour atteindre l'arbre aux esprits, il nous faut tout d'abord traverser des grottes mystiques qui se trouvent au-delà de ce portail. Okay. Pour l'instant, on n'en a qu'une. Ouais, c'est ça. Il va nous falloir trouver la deuxième. Alors... le rocher. Et voilà, deuxième clé. On va pouvoir retourner ouvrir la porte. On va se créer le lien d'âme pour sauvegarder. On va passer notre point de compétence. Balise d'orientation, la plupart des bonus s'affichent sur la carte, salve de flamme, ou braise qui permet de réutiliser le lien d'âme et réduit le temps de recharge. On va se prendre la salve de flamme pour l'instant. Bon, pour l'instant, les espèces de petits mollusques. Alors, on veut traverser des grottes mystiques, il me semble. Pour aller au bosquet creux, mais il me semble que Sein nous avait dit de traverser les grottes mystiques pour les atteindre. Bon. Débarque pas, reviens au pied. Un point d'XP, c'est un point d'XP, on déconne pas avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Une espèce de plante. Tu as trouvé un fragment d'énergie. Les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie de Horus. Très bien. On a visiblement pas assez de puissance pour ça. C'est bien qu'on trouve des points de vie. À cause de ça. Il n'y a pas de dash, non. Pas pour l'instant. Sans mourir cette fois-ci. Tu donnes rien, toi, crevard. Ah si, diable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Tu as trouvé une cellule de vitalité qui accroît tes réserves de vitalité. Trouve-en d'autres pour améliorer tes chances de survie. Très bien. Ça était un petit peu fragile pour l'instant. On va dire la boîte mystique. Toi, tu te calmes. Ça, c'est pas vu chez moi. Alors, on a un espèce de verre moche en dessous. On va châtier. Alors, il nous faut une porte ici. Mais on n'a pas de clé pour l'instant, donc je suppose qu'on va la récupérer vers le bas. D'énergie, on n'en avait pas besoin pour l'instant. Petite région de vie. J'ai une image auprès de ces plantes testiculaires à pic. Je comptais pas tomber, mais visiblement, mon absence de skill a décidé autrement. Nouveau point de compétence. Peut-être éviter de le dépenser tout de suite. Encore que ça ne change pas grand chose. Alors. Une flamme étincelante augmente la puissance de la flamme spirituelle. Ça c'est pas mal parce qu'on est un petit peu faiblard. Blesse d'orientation. Et bon, on va prendre les braises pour l'instant. D'accord, pour re-sauvegarder au moment. Visiblement, il y a eu d'autres. D'autres esprits qui sont passés avant nous. Et qui ont connu un sort bien plus funeste. La lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous a permis de vivre, de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il m'a demandé à ce que nous nous retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Ne reste d'eux que ces arbres ancestraux. Approche et absorbe la lumière de Phil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Phil. Il était fait comme un maniquet. Tu maîtrises le saut de mur. Pour utiliser cette compétence, utilise le stick en direction du mur et appuie plusieurs fois sur A pour bondir vers le haut. Le wall jump. Très bien. D'atteindre une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. On peut créer un lien d'âme supplémentaire, c'est très bien. Donc on n'est pas encore au level suivant. Bon, la maniabilité est très propre. Hein. Je joue au stick analogique sur une manette de Xbox 360. Et... c'est très plaisant, ça se prend très bien en main. Comment il fait l'hélicoptère quand il saute, c'est trop mignon. Par contre c'est mignon, mais si je pouvais éviter de crever, ça serait pas mal non plus. Il me semble qu'il y avait une source d'énergie par là. Non, pas du tout. On appréciera la mémoire des poissons rouges. Encore cette bestiole un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on n'avait pas exploré? Par là, il y avait un passage vers le bas qu'on n'a pas été voir. On se fait un peu de sauvegarde ici. Alors. Il n'y a pas de chance d'avoir un point de vie qui va aller chercher. Qu'est-ce qu'on a là? Ori, ceci est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibel et qui ne cessait de s'étendre.
Il en manque un morceau. Si nous parvenons à trouver un fragment de pierre carte, nous pourrons peut-être la reconstituer. Est-ce qu'on a... Non, on n'en a pas. Ça affiche en haut à gauche. Par contre, on vient de trouver un morceau de clé. Ça, c'est très bien, puisqu'on avait repéré une porte. Si on trouve une carte, c'est encore mieux. Hop. Attends, voilà déjà, tiens. On va se regarder, hein. Ça coûte pas plus cher. Et on va continuer notre exploration. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a pas l'air de plaisanter les... Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est déjà un peu plus attentif de savoir que je suis mauvais. C'est ce que je disais. Bien qu'on soit difficile, mais là quand même c'est ridicule. Voilà. Un fragment d'énergie. On va se faire une sauvegarde d'ici parce que je sens que ça va mal se passer. Pousse petit vent. Ouais. Un peu présomptueux. Pousse, 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 pousse. Je pensais que la pierre va glisserait vers le bas. Ça aurait été vraiment... Ah, le boulet. Il va falloir un petit peu de temps pour prendre en main correctement. Mais surtout, on va prendre l'habitude des jeux de plateforme. Sérieux, là. On va rester loin de la Danger Zone. Voilà. C'est bien le début et pas du tout laborieux. Alors, d'abord un bonus, bonus d'XP. On va baisser le rondin là-bas qui va me servir de support. Sérieux? Faut que je prenne l'habitude de sauvegarder un peu plus rapidement, un peu plus souvent. Donc ça ne coûte rien. Sinon vous allez devoir recommencer 500 fois les mêmes passages et vous allez vous moquer. Et vous auriez raison. Bon, en même temps, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas pour voir quelqu'un qui a disqué là. Sinon vous auriez chez des vrais gens, avec des vrais œufs et du vrai argent. Bon. Si j'avais été moins con, j'aurais sauvegardé un endroit que je pouvais atteindre. Alors, bah justement, le fragment de carte de tout à l'heure est ici. Alors... cette carte et tout le passage là-bas. Voilà. Ok, donc la carte de la zone. Visiblement, il y a une zone vers le haut qu'on va pas pouvoir explorer tout de suite, je pense. Et ensuite, on devra se diriger vers celle de gauche. Donc on est accès aux objets sur la carte, ça nous permettra de voir un petit peu ce qu'on rate. Je pense qu'on doit avoir pas mal d'objets.
qui sont déjà... Ils sont déjà passés. Alors, la porte est verte. C'est une petite sauvegarde. Il crache des bouboules. Il commence à voir que je suis mauvais, il prépare le lien d'âme au moment où j'ai une plateforme un peu plus safe. Hop, voilà. Je vais y arriver. XP, ça se prend toujours. Okay. Très bien. Là. Ça sentait un peu le passage. Ces portails d'énergie ont été scellés par les esprits du passé. Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons les traverser. Ouais, mais pour l'instant, j'en ai que deux. Ça ne va pas être suffisant. Du coup, c'est pas grave. Donc là, bon, on ne peut pas passer pour l'instant. Il y a un petit peu de temps pour le passage. Énergie, ce qui permet de recharger le climat. Hop, on peut accéder là-haut. Ah, il y a un fragment de carte. Hein. Une clé, pardon. Crash ton déchet, crash ton venin. Quelque chose en haut. Abruti. Ok, c'est la porte. On va récupérer le fragment de clé en bas. Parce que je suppose qu'il lui servira après. Il n'y a pas de passage par ici. Précipité pour le coup. Bravo, bravo, magnifique. Ah, en plus, ils reviennent pas. On va se refaire un passage, c'est pas grave. Bon, c'est mignon, mais en difficile, c'est un petit peu punitif. Ce qui n'est pas pour me déplaire. De challenge, c'est toujours bienvenu. De toute façon, il fallait donc. J'ai bien fait d'aller récupérer la quatrième, puisqu'on fait les quatre de toute façon. Moi qui pensais faire un truc un peu luxueux. L'arbre aux esprits, il a dû puiser dans le peu d'énergie qui lui est resté pour te sauver. Approche, écoute notre histoire. C'était le soir de la cérémonie des lumières. Comme elle abhorrait notre éclat...
Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits. Notre sort est entre tes mains. Écoute-moi attentivement, c'est de la plus haute importance. L'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière, qui à leur tour maintenaient l'équilibre de Nibel et protégeaient la forêt. L'élément des eaux à la cime de l'arbre de Ginzo. L'élément des vents dans les profondeurs des ruines éplorées. L'élément de la chaleur sous la fournaise du mont Oru. Pour que Nibel retrouve toute sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà les criques arachnides à la cime de l'arbre d'où jaillissaient autrefois les eaux. Youpi, des araignées. Moi qui adore ça. On va sauvegarder. Et on va aller chercher l'arbre qui nous sont. Ça semble pas mal. Attention, Ori, le sol est instable. Et boum! Sacré bestiole aussi. Alors, ça c'est fait. Il y a quoi là-dessous? Un trou, je vais essayer de faire ça. Évidemment, on peut pas encore interagir avec. Mais ça, ça nous bloque. Enfin, on peut pas là. Est-ce qu'on peut redescendre? Oui. Encore un arbre de fil. Anno, l'esprit mort ici était fort et courageux. Écoute sa voix. Il était capable de concentrer notre lumière. Je bafouille. Tu maîtrises la compétence flammatisée. Pour l'utiliser, appuie longuement sur X pour la recharger, puis appuie sur. Puis relâche X pour déclencher une explosion qui touchera tout ce qui se trouve à proximité. Ok. Ça va pouvoir exploser ça là. Et peut-être même l'espèce de rocher de tout à l'heure. Bon bonus d'XP. D'avoir un peu d'énergie, mais on va pas pouvoir récupérer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? XP. Tu trouves un grand brasier de lumière spirituelle. Ta jauge s'est remplie de lumière spirituelle. Trouve en route pour obtenir des points de compétences plus rapidement. Je crois qu'on avait fini toutes les compétences qui coûtaient 1. On peut attendre un petit peu avant de pouvoir dépenser. J'ai l'impression qu'il y a une zone d'impact, c'est le monsieur. Bim! On est déjà passé par là, non? Non. Visiblement, on n'a pas visité le jour. Mais là, par contre, on connaît des gens. Du coup. Est-ce qu'on peut remonter? On avait tout à l'heure établi notre lien mystique là-bas, donc on va pouvoir remonter là-bas, je pense. Mais avancer en direction de l'arbre Ginzo. Maintenant que je me suis habitué à mourir, on va sauvegarder un petit peu plus souvent. Parcours dans le jeu que dans Assassin's Creed. Hein.
Après, je vais vous faire d'autres comparaisons foireuses. C'est un jeu où on meurt, comme dans Dark Souls. Il y a du parcours, c'est comme Assassin's Creed. Si c'était au Japon, ce serait comme Sekiro. Ok, ça permet de rentrer là-bas. On va garder le salut. On va essayer de remonter. Faut que je vois où je suis arrivé. De par là. Évidemment, c'est du Metroidvania, donc on va pas échapper au backtracking. Qu'est-ce que c'est que ce festival? Ça a pas l'air de cracher de. Ah, ok. Ça se split à la mort. Ça sent le truc bien agaçant. Magnifique. On la refait. Un peu plus détendu. Voilà. Ça va, la proximité. Super. Qu'un point de vie, ça craint. C'était prévu. Je peux pas faire une explosion pour m'en débarrasser. Aucun PV, tout va bien. Passer par au-dessus pour voir si on peut explorer là. Ah, voilà. Encore un peu d'XP. Bon. Ça arrive. Ok. Ça m'a l'air vaguement hostile et inquiétant. Surtout avec toutes les toiles d'araignées autour. Ok, bravo. Donc là, non, ça fait. Pour autant, peut-être éviter de se retaper la cinématique à chaque fois si possible. On va se faire un lame juste ici. Si on peut. Non, non, non. Est-ce qu'on peut arrêter d'être un débile? Merci. Excusez-moi, hein, j'ai toujours la tuberculose. On change pas une équipe qui gagne, tout ça, tout ça. Alors. On va essayer de faire ça de façon un peu plus propre. J'ai pas l'impression. Ça m'étonnerait qu'on puisse atteindre de l'autre côté. Ok, ça consomme mes liens d'énergie du coup. Mes explosions. On va encore excéder. Bah, non. Aïe. C'est pas grave, c'était complètement prévu. Pas précieux.
maîtrise d'orbe là, mais je peux pas encore atteindre. Voilà, on va voir ce qui se passe à droite pour l'instant. Ok, donc il y a des plantes qui piquent. Et le saut est trop court. C'est très bien. Les 5 pèves, on pisse pas loin. Alors, le retour, on va essayer de faire ça un petit peu plus proprement. On va essayer de se concentrer pour la suite. Ok. Bon, il va falloir que j'ai un petit peu d'énergie là-bas. On a une de retour. On va pouvoir accéder en bas, je pense. D'accord, on peut cumuler l'énergie au fur et à mesure. Elle nous revient. Je pensais qu'on allait pouvoir cumuler. C'est pas passé loin, hein. J'y croyais pas trop à ce saut. La plupart des bonus s'affichent sur la carte, c'est pas mal. Augmente la puissance de la flamme spirituelle. La création d'un lien d'âme rétablit une cellule de vitalité. Ça c'est pas mal du tout, vu que depuis tout à l'heure j'arrête pas de crever. Non, on va chercher d'abord les objets. Est-ce que j'ai besoin de revalider mon niveau de sauvegarder pour valider mon niveau de jeune cette fois? D'accord. Est-ce qu'on peut franchir ça? Non. On peut le pousser, on peut pas le tirer. Vilain le crapaud, vilain. Ok, donc ici on a un fragment de carte à jouer. Pas mal d'XP, ça fait toujours plaisir. Une espèce de limace, elle vient de prendre cher, on n'a pas de fragment de pierre. Je peux pas se traverser. Pas besoin de prendre la tête et de faire un saut précis. Puisque, bon, comme vous l'avez remarqué, c'est pas trop ma spécialité.
perdre. On va bien avoir besoin de ses compétences pour gagner des points de vie en se regardant, puisque on prend assez cher dès qu'il y a un adversaire. Bon, après, évidemment, il va falloir qu'à un moment je songe à m'améliorer. Ça sent tellement le piège à con, ça. Pas de quoi faire exploser, évidemment. C'est bon. Alors... Est-ce qu'il y a des objets? Il y a le fragment de carte là-bas. On va les récupérer tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Et on peut pas franchir encore cet espace. Il a l'air moyennement sympa lui. Oui. Ça brûle. XP. Dans ce sens-là, il est un petit peu plus abordable celui-là. Sinon, la proximité fait qu'il est assez dangereux. Alors, la carte de la zone. Ok, ça va donner un petit peu plus d'indications. On a toute une grande zone par ici, donc le bosquet creux. Et le marais de Malépine est par là. Donc là, on peut encore y accéder. Alors, hop, hop. Encore une. Toujours cette créature qui nous observe depuis tout à l'heure. L'instant astéroïde. Ah cool, des pics. Tout à l'heure c'était pas du tout fastidieux. Je suis sûr que cette fois-ci on va pouvoir faire pire. D'amélioration, j'apprends. Un portail. Eh ben écoutez, 57 minutes de VOD, c'est pas mal. On va s'arrêter là pour ce premier épisode sur Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Petit jeu, petit Metroidvania qui avait eu un gros succès et très sympathique. Alors, et ben à la prochaine, et puis des bisous YouTube. Salut !